Ben bonjour à vous autres. Je suis Yvon Boutin, compteur, compteur confieur en fait. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit assez singulier. À la fois sur un pont et sous un pont. On est sous le pont couvert de la Conception. On se retrouve avec des gens venus d'un peu partout dans les Laurentides. Des gens qui sont venus, bien sûr, écouter des contes, mais aussi pour se raconter. Ouais, pour se raconter. Je vais aussi tricoter le temps, parce que je suis tricoteur de temps. Donc, tricoter le temps avec les personnes, c'est... D'abord, il faut saisir un instant, un fil de temps. Puis dans les fils de temps, il y en a toutes sortes. Il y a du fil de temps bien populaire, là, le moment présent, le ici, maintenant. Mais le meilleur fil de temps, c'est le là. On a chacun notre là. D'ailleurs, les gens vont arriver avec chacun leur là. Mais là, on va déposer ce là-là et on va tout rassembler ce monde-là dans le même là. Et là, le temps va s'épanouir, se dilater. Vous connaissez les contes certainement, puis vous avez sûrement remarqué qu'il y a quelque chose qui revient au cœur de tous les contes. Que vous preniez n'importe quel conte, il y a toujours quelque chose qui revient là au cœur de tous les contes. Ben, c'est pas tout le monde qui a remarqué, fait que je vais vous le dire. Ouais. Parce que quand on écoute les contes, on se rend compte que tous les contes racontent des rencontres. Vous rendez compte? Oui. Pas de rencontres, pas de contes. Puis si c'est comme ça dans les contes, c'est parce que toute la vie se passe autour des rencontres. La preuve, chacune de nous autres, on est tous le fruit d'une rencontre. C'est donc de rencontre qu'il va être question aujourd'hui. Et ils vont réfléchir, ils vont écrire sur des rencontres importantes de leur vie, des rencontres qui ont laissé des traces, des rencontres qui sont venues marquer leur parcours de vie. L'idée, bien sûr, c'est voir l'impact de ces rencontres-là. Et comment eux autres, par la suite, pourront enrichir leur future rencontre. Donc, je vous invite, si vous êtes aussi curieux que moi, à suivre le tout pour voir où tout ça va nous mener, où cette rencontre-là, d'individus avec chacun leur là, va nous amener. Et peut-être que vous serez là, vous autres aussi.